Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc sur State of Decay 2 pour l'épisode numéro 3. Donc je suis en live sur Twitch. Et vous pouvez retrouver l'épisode 1, l'épisode 2 et les astuces que j'ai données, comment jouer avec vos amis, ce qu'il ne faut pas faire dans le jeu, etc., etc. Parce que je l'ai déjà terminé. Vous pouvez aussi le retrouver sur la chaîne YouTube. Alors pourquoi je fais ce let's play? C'est parce que vous me l'avez demandé, vous m'avez dit allez vas-y, fais un let's play sur State of Decay 2, t'en as fait sur le 1, vous pouvez aussi le retrouver sur la chaîne YouTube. Donc, je vous ai fait la dernière fois deux épisodes d'avance par rapport au retard que j'avais par rapport aux autres let's play. Donc, je vous ai fait le let's play. Donc, on va faire aujourd'hui l'épisode 3 et peut-être l'épisode 4, on verra. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, on était parti, donc on n'avait pas fait le tutoriel. On était parti avec la possibilité de choisir les personnages, c'est-à-dire vous ne faites pas le tuto. Et à ce moment-là, vous choisissez trois personnages. Donc, vous partez avec trois persos. Vous choisissez la ville. Voilà, où vous voulez, la map sur laquelle vous voulez commencer le jeu. Mais pour ça, je vous invite à aller voir le premier épisode. Donc, on va continuer notre partie. Elles sont toujours que trois. Donc, il va falloir qu'on recrute. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour mettre un chef, puisqu'elles sont que trois. Moi, de mon côté, au niveau héritage, j'ai déjà tout terminé. Le jeu, je l'ai fini de A à Z et de Z à A. Donc, je n'ai pas pris une de mes communautés sauvegardées. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ben, tout simplement, on va continuer avec celle qu'on avait fait dans le let's play de ce State of Decay 2 que vous m'avez demandé. Donc, on va partir donc, en campagne. On va continuer la partie. Donc, elles sont vraiment que trois. Elles s'appellent les Sans Reproches. Ok. Donc comme j'avais dit, je le fais en zone verte pour pas me prendre la tête au niveau des let's play. Parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que je ne peux pas tout faire. Donc je l'ai mis en zone verte. Mais même en zone verte, ne croyez pas que c'est si simple que ça. Et après au niveau histoire, bon, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Ça a un rapport avec le 1, etc. Mais tout ça, je voulais expliquer. Donc je vous invite à aller sur YouTube, bah vous abonnez si vous en avez envie, parce qu'il y a des jeux que je fais sur Twitch en live que je ne. Du moins ceux de Twitch. Allez sur YouTube, abonnez-vous, c'est gratuit. Ça coûte rien. Et il y a des jeux que je fais que sur YouTube, narratif ou autre, parce qu'il n'est pas possible de gérer un stream avec un chat et en même temps lire des dialogues, etc., etc. Voilà. Donc il y a des jeux comme ça que je ne fais que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et sur YouTube, eh ben, vous êtes les bienvenus sur les lives. Allez, je crois qu'on est parti. Si le jeu ne plante pas, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Il marche très bien. Il y a eu des mises à jour, on en a parlé. Donc voilà, il va juste falloir que je retrouve mes touches. Voilà, ça c'est bon, ok. Ici. Ok. C'est pas ça que je voulais. Ok. Donc, au niveau de notre map, promouvoir un chef, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu trop tôt. Au niveau de la base, on avait un petit bug ici qui mettait un point d'exclamation. Donc, en fait, simplement, il faut qu'elle s'entraîne pendant 18 minutes. Au niveau des ressources, pour 3, on en a assez. Donc, on a stocké dans les véhicules, dans certains véhicules, pour pouvoir ben, ne pas avoir de pertes. Donc, ça, c'est une astuce, c'est de ne pas avoir de pertes. Alors, ce qu'il faudrait qu'on se mette, c'est des avant-postes. Mais je voudrais vraiment les bouger de base, parce que ça, c'est la base de départ. Elle est toute petite et il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, au niveau de la map, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fouillé dans le coin? Donc, là, on a un véhicule, deux véhicules. Là, celui-là est détruit. Au niveau des bases, alors, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci sur cette map. Il faut au moins être 8, on est 3. Je crois que c'est 4 minimum de mémoire. Ici, il faut être 5. Ici, il y a déjà quelqu'un. Ici, il faut être 6. Il faut être 5. On n'a pas de base. Au moins minimum 4 apparemment. De mémoire. Ouais. 4. 4, 4, 4, 4.
Ok, mais donc nous on est situé ici. On va aller fouiller, hein. Alors ici il y a une voiture, mais elle est détruite, on a vu, mais il y a du carburant. Est-ce que je pourrais la réparer? C'est une Norma. Je ne sais pas du tout ce que c'est qu'une Norma. Je ne suis pas mécano. Est-ce que j'ai un kit là-dedans qui pourrait me permettre? Ça c'est quoi? Un bouquin artisanat. J'ai de l'essence ici, je peux. J'en ai sur moi. On ne peut pas le faire seul. Alors, est-ce qu'elle a une mission, elle, par contre? Je voudrais quand même mettre dans le truc, ce fameux. Je l'ai mis, c'est jour 3. Super. Je voulais voir si j'avais. J'ai pas beaucoup de. D'échantillons de peste pour me taper une peste sanglante. Et pourtant, va falloir. Je n'en ai pas. Combien j'ai de 195? Est-ce que je pourrais pas parler à Caro des vagabonds? Ok. On va y aller. Au niveau de l'atelier. Alors, bon, ben non, on va rien faire. On verra quand on n'aura rien à faire. Donc on a. Alors, elles sont comment? Elles sont fatiguées ou pas? Je n'ai absolument pas regardé. Parce que je n'ai pas rejoué depuis. Donc Mariam est fatiguée, mais je crois qu'on est avec Anna et Kate. Si je... Elle en est avec Anna. Et il faut que je prenne Kate avec moi. Alors, elle est où? Where are you, Kate? Kate. C'est dommage. Ah, t'es là. Kate. Alors maintenant, on ne peut plus. On peut accéder à l'inventaire du survivant. Qu'elle a pas de soins, par contre. Hein. Donc. On va basculer sur. Non. Ok, elle a pas de soins. Oui, mais vous avez tous besoin d'aide. Descends de là, toi. Vous avez tout, non, vous avez tous besoin d'aide, mais on ne peut pas tout faire. Alors, ici, c'est fou, là. Alors, ça, je suppose que c'est ce qu'ils veulent. Hop. On va le prendre. Ici. On va les poser ça. Je pense que c'est celle-là qu'on prend. Et l'autre, on l'a garé. Normalement, il y avait trois voitures. N'y en a plus trois. D'accord. Bon. Ok. On m'a volé une voiture. On va aller ranger ça dans le stockage. Pas le sac, parce que comme il y avait un point d'exclamation, c'est sûrement. Ce qu'ils veulent, donc hop. Ok. Bon, on va aller voir au niveau de la map. On a shérif, nouveau voisin, les bonnes têtes des Médocs par pitié et survivant en péril. On va peut-être faire le survivant en péril en premier. Mettre ça dans le coffre. Je l'ai marqué sur la map. Non, je pense pas. On va faire survivant en péril. Je crois que si je vais là, je me bloque. Hop. Toujours très doué avec les véhicules, hein. On recule un peu.
Si ça trouve, elle était tout à fait à côté de moi. Je l'ai pas vue. Alors, j'ai perdu mon groupe, tu peux m'aider à aller à un autre point de rendez-vous, c'est à la maison avec une jolie cour. Pas de problème. Ici, est-ce qu'on avait tout fouillé dans les choses? J'ai pas trop envie de mettre des... Bien qu'on puisse les enlever, les avant-postes ici. Je pense que lui, une fois qu'on va l'amener, tout le monde sera mort. Donc voilà. Je n'ai pas d'infos sur lui, par contre. Ben on va être obligé de revenir, je ne vais pas pouvoir basculer. On ne peut plus. Non. Ok, on reviendra. C'est situé où? C'est situé. Ok. Et là, il y a donc. Hop, que je voie par rapport à la base. Ah, il y a quelqu'un à la base. On va d'abord ramener monsieur à la sienne. Donc il faut qu'on aille. Toc. Il faut qu'on aille où? Parler à Applejack des Médocs. Ici. On va d'abord se faire celui-là. Histoire qu'il nous enquiquine pas la vie. J'avais dit que je ferais une team fille, alors ça m'embête un petit peu, c'est un homme. Bon, ça m'empêchera pas de le ban, hein, un petit peu plus tard. Comment je vais pouvoir accéder là-haut? C'est toujours le problème. Par là, sa baraque. Ouais, mais là, c'est chaud, hein. Je peux pas monter, moi. De l'autre côté de l'eau, en fait. Hein. Ouais, de l'autre côté du ravin. Ok. Récupère la route. Que là, il y aura un chemin qui me permet d'aller de l'autre côté. J'ai un doute. Hein. Peut-être. Ici, c'est pas bon. Hop, on peut casser là.
Hop. Je peux passer à la voiture, non? Alors, dans des cas comme ça, ce qui serait pas con, c'est si pas loin il y a un cœur de peste, se le faire avant de le ramener. Hop, c'est là. Ok. Mais ce putain de screamer. Ils sont tous morts. Je suis désolée. Si tu cherches à en savoir plus sur l'individu, service public, on va le recruter. Ils sont partis, j'en reviens pas, je ne peux plus vivre ici. Merci Mara. Si tu cherches un endroit, tu peux rester avec nous. On va le recruter. Ok. Donc on va regarder s'il y a rien à prendre déjà, hein, parce que je suis full avec, je suis full, je peux pas. Non. Et je peux pas changer tant que je serai pas revenu à la base avec lui. Ok. Bon, 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 bien, bien, bien. Bon, 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 bien, bien, bien. Alors, ben on revient à la base, et à la base, il y a aussi quelqu'un. Bon, pourtant, je voulais que des filles, mais bon, tant pis. Mais il a un métier, donc c'est déjà quelque chose. Il a un métier, c'est pas quelqu'un qui a rien. Bien qu'on puisse leur donner des métiers. Ici, il y a quelque chose, donc on va aller voir. Hop, hop. On va se mettre là. Non, j'ai pas pris, évidemment, le sac de Médoc. Je suppose que c'est ça. On va s'occuper... Alors, si je trouve mieux un service public en féminin, vu que j'ai dit que je faisais une team fille, peut-être que ça marchera. Alors. Hello. Bonjour, en savoir plus sur l'individu. Ici, c'est de la cuisine, on s'en fout. Ici, il n'a pas de métier. Et elle, prend pas trop de risques, on a des voisins un peu particuliers. Merci pour le tuyau. Donc, je peux pas cumuler deux quêtes, c'est assez casse-couille. Bon. On va rentrer à la base. Je ne sais plus. Oh, j'ai foutu ma bagnole. Where is my car? Ici. J'aurais très bien pu faire les deux en même temps. Mais bon. Je vais décider que non. Il y aurait un chemin par là. Faut le voir, hein. Honnêtement. Hop. Est-ce que je vais pouvoir remonter? Ça, c'est une autre question. Oh, pas du tout. My goodness. Alors. On va faire bloquer. Bon, toi, tu vas pas me saouler.
Alors, il y a effectivement, je suis tombée à côté de la base qui m'intéresserait. Mais pour ça, il faut que je mette les voitures, les autres voitures sur le parking. Et je ne sais pas où sont mes collègues. Hein. Je suis où ils arrivent? Là, ce serait pour 6, on est 4. Merde. Ok. Alors on essaie de traverser. Et j'ai perdu mon autre voiture, ça m'ennuie, j'avais plein de provisions dedans. Disparu. Hop. Est-ce que je peux passer là? Et je peux pas m'occuper de tout le monde, hein. Ça va être marrant. Encore me bloquer, ouais. Je pense que je peux récupérer par là. Pas du tout. Si, peut-être, en montant, en cassant là. Waouh! Wow. Ne faites pas ce que je suis en train de faire. Elle ne veut pas monter la vroom. Hein. Je suis plus en train de la niquer que autre chose. Une porte en moins, oui, t'as raison de le dire. C'est tout à fait ça de le signaler. Faut que je la répare. Il y a un caillou, je le prends, c'est la folie. Donc, on va remonter à la base, ramener lui. Grosse bourrine que je suis. J'avais trois voitures, hein. Je vérifierai, mais j'avais trois voitures. Et une a disparu. Mettre ça dans le coffre. Hop. Et on a quelqu'un dans la base. À tous les coups, quelqu'un qui veut nous rejoindre. Elle est où? De l'autre côté, peut-être. Ou alors, c'est un des militaires qui veut nous fournir ces trucs qui servent à rien, en fait. Allô? Elle est où, la personne, là? S'il vous plaît. Ici. Non? Parlez à Magda. Alors, ce n'est pas évident de trouver des gens de confiance un jour, mais toi, je te fais confiance. Je pense savoir plus sur toi. Je suis dans l'artisanat. Mais je crois qu'on a déjà. Si on regarde au niveau de la map, je crois que j'en ai une en artisanat. Base communauté. Donc, on a. Elle est la mécanique auto, lui, service public, construction. Donc. Il me semblait que c'était l'artisanat.
et biologie. On la virera à la limite, ça fait quelqu'un. Je veux juste voir ses traits de caractère. On les a pas. On les a pas. Si c'est une problématique, on la dégage. Ok. Allez, go. Tu t'installes et puis voilà. Mais je pense pas qu'on la gardera, puisqu'on a déjà quelqu'un dans la construction. Donc, on verra. Pour l'instant, ça fait quand même du monde. Alors, ça on pose. Ça je pose. Ça je pose. Et ça je pose. Ensuite, elles sont peut-être fatiguées. Alors, map. Base. Communauté. Bon, ouais, elles sont fatiguées. Donc, on va basculer sur. Déjà, on va lui mettre la tenue adaptée. On va lui mettre. Ça, c'est purement esthétique. Qu'est-ce que j'ai mis aux os de la casquette hein? Donc, tricot noir, casque, casque de combat, casque militaire, casquette militaire. Voilà. Ok, on va faire pareil avec lui. 2 secondes, monsieur. Alors, casquette militaire. Ok. Et une forme tactique. Ok. Voilà. Donc, on va basculer sur elle hein, déjà. Ouais, on va basculer. Tant pis pour la mission. Qu'est-ce que tu as toi dans ton inventaire? Que dalle. Ah, par contre, elle a le couteau de Bowie, donc qui est du pack Open Orange. Donc, il va falloir qu'elle prenne quelque chose. Et il me faut Belga, quoi. Donc, toi, va te reposer. Je voudrais le monsieur, si c'est possible. Alors. Je t'ai relâché, pourquoi tu me suis? Faudrait que j'arrive quand même à réparer le. Elle a une mission. Mais bon. Elle est fatiguée, on va pas la prendre. En haut, peut-être, il est, je ne sais pas. Ou il s'est déjà barré, chercher des affaires. Il n'y a rien. Hop, on va prendre pour elle déjà. Donc, elle n'a pas de flingue. Hop, ici. On va parler des arbalètes. Ensuite, à ça. Ensuite, il te faut, bien entendu, de ça. Et il te faut de ça. On n'a plus beaucoup de médoc. Ça daille. Donc, elle est équipée. Lui, il est où là? Il ménage. Enfin, le ménage. Ok. Donc, toi, tu as quoi? Tu as rien. Tu as des médicaments, mais tu as rien. Y, tu viens avec moi, s'il te plaît. Alors, est-ce que je peux... Non, donc on a le level up. J'aurais bien réparé la voiture pour être honnête avec vous. Hein. Donc, map. Map, la communauté. Qui sait qu'il y a quelque chose? Personne. Donc... On va aller
On va aller, on va aller, on va aller. Ici. Reposez-vous, vous les autres. Et lui, il a une mission. Je ne sais pas laquelle c'est, mais il en a une. On est très mal avec ce véhicule. Hein. Oh, j'ai pas d'essence. Faut penser à tout. Hein. Ici, ok. Ici. Mais je comprends pas où est passée ma voiture, quoi. C'est la folie, ce truc. Faut que j'aille chercher de l'essence vite fait. Artisanat, c'est elle qui est en artisanat. Hop, et hop. Alors, elle est passée à fond en artisanat. Donc, si on regarde map communauté. Je veux. Non, il lui manque encore un niveau. Okay. J'ai pris le bidon d'essence. Oh là là, moi et ma mémoire de poisson rouge. Oui. On part avec une bagnole complètement pourrave. Il manque une porte. C'est pas celle-là là-bas, ma bagnole. Hein. Je pense pas. Non, elle est pourrie, ça. Elle est cassée. Les couillons, lui, hein. Il y a une place devant nous. Non, il préfère se faire bouffer par les zonzons. Ah, mais j'avais quelqu'un. Ah oui, mais c'est elle que j'ai vue. Oh là là. Allez, hop, on est parti pour là-bas. 200 mètres, c'est pas loin. J'ai perdu le... Hop. S'emparer du garage. Mais c'est en haut. C'est une blague. S'emparer du garage, mais il y a un problème là. Map. Oh. Ouais. J'ai donc quelqu'un chez moi. Ouais. Et là, c'est quoi? On va aller leur porter les médocs. Hop. On verra ça après.
je vais prendre. Non, je veux pas ton inventaire. Je veux mon coffre. Si vous pouviez partager un peu de médoc, te fais pas de bine, tiens. Alors, qui tu es? Anne, c'est du jardinage. Lui, on peut le recruter. Alors, lui, il a pas de métier, conception. Lui, c'est ça que je veux. En savoir plus. Tire, il a aucun métier. Elle, c'est du jardinage. Jardinage, et ben. On va te prendre. Vous êtes sur le point de recruter Apple et Bark. On s'en fout. Voilà. Hop. On peut toujours les virer après. De toute façon. Déjà, ça fait un peu plus de monde. Un peu plus de roulement pour pouvoir jouer. Par contre, on va manquer de lit. Là, par contre, on va pouvoir bouger de base. Ça va être bien. On est donc 6 maintenant, si je m'abuse. Du coup, on a dissous cette communauté, mais elle avait rien d'important dans le sens où les autres n'avaient aucun job. Donc, s'il n'y a pas de job, c'est pas intéressant. Voilà, hop. Un sac d'essence. Pour être un avant-poste, là, à la limite. Ça donne de la munition, des... On va finir de fouiller. Tu prendras le dernier sac. Cet avant-poste-là donnerait de l'essence, de la nourriture et des munitions. Bon, elle est pleine. Basculer. We've milked this place dry. De la bouffe. Si ces gens sont capables de nous fournir un véhicule qui fonctionne, il vaut mieux les aider. Ok. Accéder à la... Ouais, mais je sais pas, ça risque de faire confiance. Parler à Kate de ses inquiétudes. À basculer, qu'elle fout son sac là-dedans. On a manuel de chimie. Alors, ici il y aurait un truc à fouiller à côté là. Ici on va pas se priver tant qu'on est là. Peut-être, ça pourrait être bien. C'est quoi, c'est cette petite merde là? No more dads around here. I can't get it. Hop. Hop, on bascule sur lui. Les essieux s'empirer du garage. Les essieux capoutent. S'emparer du garage. Va falloir qu'on le fasse. Hop. What's on your mind?
Non, mais c'est pas toi que je veux parler. Selon certains rapports non confirmés, au moins deux des îles d'Hawaï seraient dépourvues de zombies. Si les autochtones sont en mesure de confirmer, merci de nous appeler. Ok. Ah. Eh bien, on va aller poser des choses dans la room. Hein. Hop. Histoire de ne pas revenir. Oui, ma voiture. Là-bas. On va poser ça. Il me reste un là. Non. Alors, je vais balancer des trucs parce qu'il y a des trucs que je me sers jamais, que je pourrais échanger certains. Non, c'est pas ça que je veux. Que je pourrais échanger certains, mais que bon. Pour le début, ça on va le jeter. On s'en fout. Et. On va prendre ça. Le sac à dos d'huile, ça serait bien qu'on le prenne. Mais on en trouvera d'autres. Ok. Ok, on est juste à côté. T'as du bol, mec. Je sais pas ce qui se passe chez toi, mais c'est le bordel. Si, si. Tu nous as sauvé la vie, comment on peut te remercier? Je vais regarder. Non, j'ai pas fini. Bah, des médocs. Merci. J'ai pas eu le temps de vous voir. Mon coup, il est ça où? Oui, mon sac, ici. Hop. Je pense pas, il n'y a plus rien ici. Hein. De toute façon, le voile est noir. Il a eu du cul qu'on soit à côté, lui, sinon il était mort. Oui, ma bagnole, là, ouais, là-bas. On n'a plus de place. On va le garder sur nous. Au niveau de la carte, marche ambulant. Ouais, on a vraiment quelques. Je sais pas si là, je fais pas parler à la tarmac de ses plans. On va aller là. Screamer, t'en as pris une. Il me semble que c'est un tout petit peu plus loin, un chouïa. Mais ouf. Where? Là-haut? Thank you.
100 mètres. Alors, on a trouvé un endroit parfait pour retaper des voitures, mais il est infesté de zombies. Tu peux nous éliminer tout ça? Ben go. Ouais. Tu viens? Ouais, c'est cool si tu viens. Prévenez Sandy quand vous aurez décidé de partir. Qui c'est Sandy? Ça, c'est Tarmac. Magda. Joe. Sandy. Donc, en fait, je viens de me taper un accident et je me retrouve à devoir éradiquer une infestation. Super. Allez, viens. C'est une infestation. Je n'ai pas un cœur de passe, mais on a une bagnole un peu abîmée. Alors, map. Donc, il faut qu'on aille où? Ah ouais, quand même, loin. Hein. Loin. Très loin. Bref, ben on est parti. J'espère avoir assez d'essence. Je peux repasser par la base peut-être pour avant pour vider. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Hein. C'est le plus logique. Hein. On va se vider. Si j'ai pas raté ma base, on va aller après. Sur le toit. Ici vit quelqu'un. Alors, niveau médoc, on est à 14. On va le mettre dans la bagnole. Hop, on va aller vider tout ce qu'on a sur nous. Alors, ah par contre, il n'avait pas de flingue, lui, je suis partie. Ne parle pas en même temps que je regarde ce que je peux faire. Ce serait cool. Bah toi, mis à part une arbalète, tu vas pas avoir grand-chose. Hein. Donc ça, au moins qu'on trouve des munitions. Enfin, des flingues et des munitions. Et toi, t'es full aussi. Ok, bien on y va les gars. J'aimerais bien pouvoir réparer la bagnole quand même, hein. Alors maintenant on est communauté, on est 5. Donc on pourrait se prendre une base, mieux que celle-là bien sûr. Ici, on a un véhicule de patrouille, on s'en fout. Faut qu'on bouge de là, faut bouger de là. Ici, faut être 8. Ici, faut être... on est 6 nous en fait. Donc on est en plein centre-ville. Ici, il y a quelqu'un. Ici, groupe de survivants ennemis. S'il faut être 5. Ok. Et là, à plus près, au niveau de la Barry Green, parking, zone de siège destructible. Zone de siège destructible, c'est petit. Grand emplacement extérieur, petit, 9, un petit emplacement intérieur.
On est 6 pour 6. Ok. 4, 1. Bar, grill, zone de siège. 1, 1, 1. Je cherche quelque chose. Faut qu'on bouge de toute façon. Ici, c'est le marchand. My goodness. Ici, on aurait un lien bivouac. Mais ça s'est barré. Lien bivouac. On a le garage. On a le garage. Le parking. La réserve de carburant. Je pense que là, ce serait bien. Il faut qu'on se tape l'infestation qui est là. Relais routier. On va aller voir. Je pense que c'est un bon endroit. On est trois. Et on aurait le garage. Je peux toujours pas faire un... Comment ça fait ? C'est cambriolé. Arrêtez le voleur. Ah, merde, je peux pas tout faire. Ici, je peux toujours pas... Si. Voilà. Hop. Arrêtez le voleur. T'es mignonne. Il est où? On va réparer notre voiture avant. Et donc, on a un voleur. Marchand ambulant, seigneur de guerre, voleur. Hein. Ouais, non, mais c'est elle qu'il faut prendre. On le verra après. Ce que je voulais, c'était la base. Ah, ici. On y va. Allez, on y va. On va se taper un cœur de peste à 3. De nuit, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Au revoir, comment est cette base, hein, aussi, hein, à voir. Mon infection est où? On aurait beaucoup de choses autour quand même. On serait là. Ici. Ok. Et l'infection, elle est où? Sur la gauche. On va les virer. Histoire de... T'es pas incontaminé, toi. Bon, bah, l'attaque de la bête, hein. On n'a pas trop le choix. C'est ici. Donc... Il va vraiment pas falloir perdre de temps. Hop. Je sais pas où est situé le cœur de peste. Là, on ressort. En tout cas, regardez. Il y a du monde. Il y a du monde. On va voir des contaminés là. Il est là. Hop. J'espère que tu vas bien tirer. Allez. Ah.
Ah mais aidez-moi les mecs. Merci. Ok. Donc on va ramasser tous les échantillons parce qu'on est tous touchés par le cœur de peste. Hop, on va prendre ça, on va prendre ça, les munitions, on va prendre ça, 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 sac de 8, ça. Je serais pour prendre la base à côté, direct. Comme ça, on ne serait pas emmerdé. Là-bas, il y a des échantillons. Hop. Donc, la base est où? Bah, ce serait là. Ouais, je me souviens. C'est la base que j'avais moi dans ma partie. Elle est très 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 bien. Ah oui, mais j'ai pas mes voitures qui vont suivre. Ah le bordel. Alors. Le problème étant qu'on va pas être à côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la base. La nôtre, on sait que c'est là, d'accord. La nôtre est là, c'est pas trop loin. On va bien mettre les voitures sur les places de parking de façon à ce qu'elles suivent. Sinon, quand on déménage de base, elles ne suivent pas. Et on reviendra. On n'est pas très loin. Hein. Hop, ici. On ne va pas cracher sur le truc parce qu'on est tous. Hop. On va pas cracher. Hop. Donc là, on sera au milieu de la ville, mais bon. On n'est pas très loin de notre base. On va bien ranger les deux véhicules qu'on a, de façon à ce que ça suive, quoi. C'est ça. Il ne faut pas que vous bougiez votre base alors que les véhicules sont placés devant ou pas sur les places de parking. Ça, c'est super important. Sinon, ben, effectivement, le problème que vous allez avoir, c'est que quand vous allez déménager, vos véhicules, vous ne les aurez pas. Et vous allez les retrouver ben, à l'ancienne base que vous aviez. Donc, il faut vraiment les ranger ce que vous avez en plus. Bon, là, pour le coup, on en a un. Donc, on va déjà se soigner tous. Niveau munitions, on va le mettre. On va se vider déjà. Allez, hop. Et on va surtout se soigner. Oui, on va déménager. Si vous me laissez le temps de le faire, cher jeune homme. Cher jeune femme, je veux dire. Ok, donc ça, on vire, ça, on vire, ça, on vire, ça, on vire, ça, on vire. Et ça, on vire. En voilà pour un munition. On a 17. Donc, ce serait dommage de le mettre. L'infirmerie. Elle est de l'autre côté. On va la soigner à elle. Hop. Donc, on en a deux contaminés. Donc, un. Deux. Alors, on va lui le soigner à lui. Bon, il est qu'à 2%, mais hop.
Stay with me. We're going to get you better. Don't know why you waste the cure on an old man. Ok. Ensuite, l'autre, on s'en fout un petit peu. Donc, à la limite, l'autre, même s'il est contaminé, on s'en tape. Il n'est pas avec nous, en fait. Donc, j'ai dit les voitures. Alors, les voitures, faut que je ressorte. Ah, il faut que je prenne la blanche. Parce que j'ai une place dedans. Hop. Donc, on va la mettre sur la place du parking attitré. C'est-à-dire ici. Garé correct. Évidemment, sinon ça ne le prend pas en compte. Comment ça, je suis pas douée pour me garer? Si, si, je suis très douée pour me garer. Voilà. Hop. Et avec notre autre véhicule, on va partir à l'autre base. Carrément. Alors, ici, on va poser ça, ça, ça. Mettre ça dans le coffre. Ça va, on essaye. Donc, on va poser ceci, 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 ceci et le médoc. L'autre, on s'en fout qu'il soit contaminé. Je ne vois pas l'intérêt. Il est quoi? Dis, t'as jamais envie de te barrer d'ici pour de bon? Moi, j'y pense tous les jours. Contentons-nous de faire le taf. Ok. Donc on va la soigner quand même, la pépette. Hop. Ok. Et donc on va par sécurité. Je dis bien par sécurité. Il y a encore des bugs dans le jeu. Par sécurité, on va prendre. C'est ça qui est le plus important de là. Alors les médocs, bien sûr. Voilà. Au cas ça ne suivrait pas, non, au moins ce qu'il faut là. Médoc, bouffe, munitions. Au cas où ça ne suit pas. Médoc, bouffe. On pourra toujours venir à pied ici chercher celle-là, hein, si ça va, s'il y a un bug. Ok. Médoc, bouffe, munitions, c'est le plus important. Ok, par contre, est-ce que je peux basculer sur lui? Yes. Est-ce que lui il est full aussi, je pense? Non, même pas, il avait rien, lui. Oh, my goodness. Rejoignez le galère de garage automobile. Non, nous allons faire notre base, nous. Donc, on avait dit, ça y est, je l'ai perdu. On avait dit, ici, hein, on a le garage. Yes. C'est pour 5, merde. 5 et on est 6. Alors, on a ici, mais c'est habité. Mais on a le garage. Ici, ball green, grand emplacement extérieur, deux petits emplacements extérieurs. Pour 4, trop petits. Ici, pour 8, on en a 6. Ici, pour 5, on en a 6. Pour 6, vous en avez 6.
Tant pis, on redéménagera une deuxième fois. Je pense que le mieux est de prendre celle-là pour après bouger à celle où il y en a 8. Zone de siège. Ok, on va aller là. Allez, pour 5. Il va vouloir me donner. Il n'y a pas mieux, hein. Je pense pas. Bon, mais arrête la manette. Pop, hop, hop, hop. Ici, c'est quoi? 8, on en a 6. Cuisine haut de gamme, salle d'urgence, lavomatique, grand emplacement, non. Ici, petit emplacement, c'est petit, 6 pour 6. Ici, non. Cette map est pas extra. Bah écoutez, on va aller là. Hein. Quitte à rebouger, de toute façon, c'est pas bien gênant. Là, c'est 6, on en a 6. On a l'atelier, le parking, le générateur de secours. La réserve, et on pourrait faire le garage. L'y abriter. Atelier d'usinage, parking, énorme réserve de carburant, générateur de secours. Et dehors, on a deux petits emplacements extérieurs, un emplacement extérieur, intérieur. Ouais, on va prendre celle-là. Tant pis, on fera le parking, on fera le garage. Hop. Alors, la nuit, moi, j'y vois que dalle. Je prends même pas le bon chemin. Viens, Nikos. Hop. L'autre est très bien, mais le problème c'est qu'il y a que 5 places quoi. Donc, vu qu'on va finir avec une communauté à 8, je sais pas trop où est située celle-là. Je vais me casser la. Je m'en doutais. Les raccourcis sont toujours pas bons quoi. Voilà, là je me retrouve bloqué par la barrière. Il y a vraiment un tout petit emplacement là pour sortir. Voilà, donc hop, je vais pas m'emmerder. Hop, hop. Il me saoule les onjons là. Hop. Servira toujours. Donc c'est sur la gauche. Alors, je suis là. Il faut que je prenne la route. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Tu m'as perdu. Enfin, il faut que j'aille tout droit en fait. Tout droit puis à gauche. Ok. On va ramasser là. Ok. Ok.
Donc là, je prends à gauche. J'ai presque plus d'essence. Beau. Beau. Je suis pas du tout sur le bon chemin, là, mais il y a des montagnes partout. Donc là, je prends à gauche. Hop. Ce sera Tamfield. Après, voir comment est la base. Hein. Facile d'accès, pas facile d'accès. Elle serait là. D'accord. Alors, déjà, on va se taper un feral. Tout va bien. On va le laisser venir. Oh merde. Je me suis bloqué la voiture. Bon, il est mort. Je suis encore bloqué. Là où tu l'as mis. Tu as touché, je te sens. Dans le portefeuille hier. Eh ben allez. Hop. Donc il nous a posé où là? À côté de la base? Donc ça, ce serait la base. Ok. On va aller voir ça de plus près. Je pense qu'elle est sympa. Faut juste la vider des onzons. La visiter d'abord. Ici, il y a quoi? Il y aura un truc là. Ok. Ici. Hop. Je suis d'accord avec toi. Allez, on change de base. Alors, un entrepôt spacieux qui appartenait autrefois à une entreprise locale de fabrication de béton. Le générateur fonctionne toujours. Nous devrions pouvoir remettre l'atelier d'usinage en route. Il y a un énorme réservoir dans lequel est stocké le carburant. C'est pas beau, ça. Allez, on va revendiquer. Est-ce que je peux confirmer? Ok, donc nous sommes dans notre nouvelle base. Faut s'habituer, hein. Faut s'habituer. Donc, au niveau de la map, alors de la base, regardez ce qu'il y a à détruire et regardez ce qu'on a à garder. Donc là, c'est quoi? Le générateur, évidemment, on ne va pas le toucher. On a assez dit. Par contre, est-ce qu'on peut... Alors, hop. Voilà, on va faire le garage, ça on en a absolument besoin. Ligne, on en a deux. Donc ça fait 5, on est 6. On peut faire un roulement l'hélicos. Hein. Donc on a l'atelier, par contre on n'a pas d'infirmerie, ça c'est un petit peu embêtant. On va la mettre... qu'est-ce qu'on nous propose en grand emplacement? Évidemment, j'ai fermé. Échappe. Map. Base. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose en grand emplacement? Une zone de rassemblement. Une caserne. Salon. Ok, non. Donc, on va mettre l'infirmerie dedans. On peut pas. Ok. Ici. Avec du matériel, on pourra rajouter des choses. Ici. On a une cuisine? Non, pas du tout. Bah, écoutez, on va mettre une cuisine. Ce serait déjà pas mal.
Est-ce que la voiture a suivi? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Faut déjà que je me repère à savoir où est la sortie de la base et où. Ouais, la voiture a suivi. Voilà. Parce qu'on l'avait bien garée, elle est là. Ok, donc ils construisent tout. Il faut que je repère où est ma sortie en fait. Si je trouve pas la sortie de ma base, c'est compliqué. Donc on était rentré par là. Ouais, ici. Ok. On va réparer ça là. C'est pas la meilleure base parce qu'on sait pas trop. C'est un peu le merdier pour y accéder. Ben oui, l'autre voiture blanche, je l'ai vue pourtant. L'autre voiture a pas suivi? Si, pourtant je l'ai vue. On a les deux voitures là. On a une place de parking ici. Ah d'accord, elle s'est garée. On a quatre places de parking en fait. Ok. Donc il commence à être fatigué. Lui, au niveau de son inventaire, on va poser. Sac de bouffe. Voilà combien là, parce qu'on est plus nombreux. Nourriture, on peut aller le mettre. Alors, médoc et essence, si on peut, si on a des réserves. Essence, on a, médoc, je crois pas. On va le mettre. T'as les trois, tu viens de déménager, dis donc, oh, faut pas pousser mémé là. Donc carburant, c'est bon. Médoc, est-ce que ça va être bon? Non, 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 descends, 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 descends. Ici, hop. On a les trois, mais elle est gonflée, hein. Je viens de déménager, faut pas pousser. Il y a assez de lits pour tout le monde. Ok. Il y en a une là qui a un caractère apparemment qui va me fatiguer. Je sais pas si on la gardera. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette voiture que je vais pouvoir basculer dans l'autre? Tant qu'il fait nuit, ben l'essence. Hop. Hop. Il fait nuit, on se prend pas la tête. Munitions. Bouffe. Fait monter le cardio. Ok. Munition. Ça pèse 3 tonnes, il a dit. On va les poser dans la base des affaires. On va regarder où c'en est de l'avancée. Ils sont trop pas les trois, mais ils sont deux mois.
Sinon, jamais content. Jamais. Alors, on va donc poser. On n'a pas besoin de. Ça, c'est quoi? Antalgique léger. Hop. Hop. Et ça. J'ai pas pris d'essence. Savoir si j'en ai. Oui. Très bien. Alors, j'ai un frigo aussi, donc on va pouvoir améliorer la cuisine. Hop, ça va prendre, c'est une mission. Donc, au niveau de la base, hop, ici on a tout terminé. On va level up l'infirmerie tout de suite. Ici, on peut faire des quêtes de réparation, etc., etc. Au niveau des lits, on est bien. Je vais mettre dans la cuisine, ici, tout de suite, le frigo. Ici, rien besoin. Ici, j'ai quoi? Transformateur. On peut pas le level up. Le garage, je ne peux pas. On n'a pas d'électricité, on n'a pas de courant. Ça va être non. Électricité et eau en priorité. Hein. Mettre ça. Voilà. Ok. Le moral des troupes sont en forme. Ok, tout ça, c'est bon. Ici, ce serait bien de faire un jardin, je pense. Mais pour l'instant, si on peut. Fournir deux de nourriture par jour. Je sais pas si c'est vraiment valable. On verra ça dans, dans le prochain live. Live. On va attendre la petite sauvegarde. Donc voilà, on a changé de base, on a rejoint une autre base. Prochain coup, ce qu'on fera, ben, c'est faire la mission quand même. Les vagabonds, le seul remède, hein. On peut y aller, c'est en face. Allez, on y va. Et on arrête après là-dessus. On y va à 3, on a pris le remède sur nous, c'est juste à côté. On va y aller à Patoun. On va pas y aller avec la vroom, hein. C'est juste à côté. Bienvenidos. Bonjour. Alors. Vous allez nous aider. Je ne sais pas. Alors, faut que je parle à qui là déjà. Notre sorte de remède contre la peste, vous pourriez nous en donner. Donner une dose. Capafias. Par contre, j'ai pas vu ses stats. Donc lui, il a aucune compétence. On va fouiller. Il voulait juste une dose de truc. Médicaments, très bien. Ici. On va forcer le malin. Alors, ici il y a du monde, hein. Donc aimer. Fais quoi? Cuisine. Ouais, pas très. Carreau. Tir. C'est pas du tout intéressante. Ici, toi. Et Sandravis.
Il est aucun métier. Donc là, c'est pas la peine de recruter. C'est pas du tout la peine. Ils ont rien de. Ils ont rien qui puisse nous aider, on va dire. Donc, les essieux s'emparer du garage sac. Voilà, il faut aller vraiment ici. Pour ça, il faut prendre la voiture pour faire la quête du monsieur. Maison Vogel. C'est où on était. C'est où on était au départ. Alors, nous sommes normalement là. Là. Et il faut qu'on aille. Ah bah, faut vraiment y aller en voiture, quoi, en fait. Hop, on va aller à la base. C'est bien marqué comme il faut. De toute façon, pour la sauvegarde, il vaut mieux retourner à notre base. Allez, hop, on est à côté. Et on changera de perso parce qu'il est fatigué, hein. Le ch'ti pépère. Il n'en peut plus. Donc, on va mettre ça dans notre voiture. C'est plein. Super. J'avais une autre bagnole. Hein. Je sais pas où est passé. Je vais pas être en surplus de médoc, j'espère. Voilà. Ok, donc on va mettre l'essence, ça sera fait. Ok, on va ben, refaire le plein hein, une deuxième fois. On va changer les persos parce qu'ils sont fatigués. J'espère que ça va pas niquer la mission. Ok, qu'est-ce que j'ai sur moi? Rien à mettre là-dedans. Donc on rentre. On re-rentre. Ok. Là, tout s'est monté, c'est bon. C'est une base que j'ai jamais utilisée, celle-là. Alors, moi ce que je fais, c'est que je vire en général ce qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc, ici, accéder à l'inventaire, elle n'a rien. Donc, on va changer de perso. Communauté. Donc, voir déjà. Donc là, il n'y a rien monté. Ici, on a du jardinage. Donc, c'est pas la peine d'en prendre une autre qui a du jardinage. Alors, on va l'habiller. Je peux avoir la casquette militaire. Gracias. Ok. Hop, hop. Tout le monde est habillé, vie. Il n'y a qu'un homme, hein. Pauvre garçon. Alors, on a une mécanicienne auto. On a future jardinière hein, qui nous fera de l'herboristerie ou pas. Donc là, on a artisanat. Alors, attention de ne pas se tromper parce qu'on a déjà une qui est en construction. Et autre de la biologie. Alors. Il y a deux options en artisanat. Donc la construction qui déverrouille le stockage du matériel lourd et la métallurgie qui ferme. Ben, on va la mettre en métallurgie hein, puisque construction, c'est déjà fait. Hop. Donc pour le prochain coup, on va changer de personnage. On va prendre Applejack puisqu'elle a une mission. Voilà. Et
Magda. À la congédie. Attends, je te le garde. Donc toi, ben, il faudra le ramener au garage automobile. Un gymnase d'entraînement. Si on écoute tout le monde, on s'en sort jamais. Qu'est-ce qu'il veut ? On a besoin de formation, gymnase d'entraînement permettrait aux gens d'améliorer leurs compétences sur leur temps libre. On y réfléchit, ça fera patienter. Ben, au cours du prochain épisode, ben, il faudra qu'on cherche des ressources quand même. Ensuite, il faudra quand même qu'on ramène le monsieur, parce que bon, tout ça est bien joli, mais lui, il attend qu'on le ramène à son garage. Donc, lui, il veut un gymnase. Ici, on devra donc aller au... Ici, pour éradiquer l'infestation. Et peut-être qu'il va nous rejoindre. Peut-être. Je dis bien peut-être. Et donc, ben, il faudra qu'on fouille parce qu'il va nous falloir du matos. D'autant plus qu'on a quand même ici donc des alliés. Mais ici, ce sont des hostiles. Donc, voir aller buter, effectivement, ça pourrait être une bonne chose. Ici, on a un rame. Ça me tenterait bien d'aller piquer le rame parce que j'aurais besoin de place. Ouais, j'ai piqué le rame. Allez, on va aller chercher le rame. Il est à côté. Hop, 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 hop. Ici. 394 mètres. J'ai pris quelqu'un avec moi. Je ne sais pas. Oui, il y a quelqu'un avec moi. Ok. Sans me faire tirer dessus par les ennemis, bien sûr. On va aller chercher le rame. Jour se lève. On y verra mieux. On y verra beaucoup mieux. Donc là, on a effectivement à 80 mètres. Un zonzon. Pas gênant. Okay. Et ici, on a un véhicule. Regarder s'il était détruit par contre. Je pense pas. Hop. Ici. Ben tout neuf. Avec de l'essence. Qui n'a rien dans le coffre. C'est pas beau. On va amener un ban tout neuf. Par contre, il y a quelqu'un ici. Ce sont des alliés. En content de te voir en vie. Alors, en savoir plus. Donc lui, il a rien. Et lui, il a rien non plus. On va fouiller. Je pense pas qu'il reste quelque chose ici. Ils ont fait leur base. On leur a pris leur chef. C'est pas grave. On va leur piquer leur bagnole. Sur certains. Là, il n'y a rien. Toi, par contre, tu vas dégager. Aïe! Ah, c'est couillon l'autre avec son espèce de peau de pylône sur la tête là. Il a oublié de l'enlever. Hein. Donc, ok, là il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus que la bagnole à prendre en fait. On va pas se gêner. On est venu à pied. On repart en voiture. C'est magique. C'est magique. Allez! Comme ça, la rouge pourra nous servir à. Je sais pas où je vais, mais j'y vais.
on va rentrer à la base. Je crois qu'elle est pas trop chiante à trouver. J'espère. Tiens, c'est maman que tu bouffes. Hein. Hop. Ben, je lui ai roulé dessus. Hein. T'es mort normalement le machin. Là. Ben, 4 fois que je lui roule dessus, faut pas abuser. J'étais pas mort. Il est bugué. Il est bugué. Il était bugué. C'est pas le bug. Donc, à la limite... Ce qu'on peut faire, c'est que la rouge qui sert de réserve hein, maintenant. Faire ça. Histoire d'être organisé pour le prochain coup. La blanche qui sert de réserve, pas la peine de la laisser sur une place de parking. Ça sert absolument à rien. Donc on va la bouger, à part si on change de base. On va la mettre, je sais pas, juste à côté de la porte, là, on va dire. Voilà. La grise, c'est bon. Ici, la rouge. La gare est correcte. Voilà, et puis ben, le prochain coup, ce qu'on fera, donc, il faudra ben, faire la quête, donc, lui, savoir si on lui fait son gymnase ou pas, sachant que ça nous prendra une place. Il va falloir qu'on aille ici pour faire la mission avec le mec qui nous suit depuis tout à l'heure. Donc le pauvre pépère, il serait temps qu'on le ramène chez lui. Ben, on en profitera pour explorer ce lieu-là, donc il faudra prendre quelqu'un avec nous. Autour de nous, on a quand même ce lieu-là qui sont des ennemis. Alors, à voir les buter peut-être dans le prochain épisode. On verra si on peut pas les tuer. Ici, on a une personne inconnue à la porte. Personne inconnue à la porte. Ouais, donc chez nous. Je pense que c'est l'armée qui vient nous casser les bonbons avec leur... leurs produits là qui veulent qu'on teste, je leur dis oui à chaque fois et puis je laisse par terre ou je le mets dans l'inventaire. Ça sert à rien parce que ça vous déclenche la peste en fait. Alors vous passez peut-être, ouais, voilà, ça c'est non, peut-être pas. Bonjour, tu as un atout de choix pour n'importe quel groupe. Bah, fais voir, tu as pas de métier. Sérieusement, on n'accueille pas de nouveau. Bah non. Je te dis non. Allez, je te prends et je te virerai. Voilà, donc je te mets pas de tenue, toi je te virerai. Ok. Je te prends mais je te garderai pas. Voilà. Donc on est donc... Hop, si on regarde... On va commencer à être à la limite hein, de la base.
Donc, au niveau de la communauté, donc on a recruté elle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut monter jusqu'à 8 ou 9. Donc, elle, elle n'a pas de métier, mais elle peut nous dépanner, à la limite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer sur Applejack pour le prochain coup. Je te veux pas. Allez, donne-moi, viens là. Magda est crevée. Voilà, les autres, c'est bon, on a tout. Donc, on a une biologiste, une en construction, une en, un service public, mais qui n'a pas fini. Elle, elle n'a aucun métier. À la limite, on peut lui en donner. Hein. Si on, quand on trouvera les bouquins, elle est en métallurgie. Elle est en jardinage. J'en ai deux jardinages, c'est une blague. Et mécanique auto. J'ai deux mécaniques auto. Service public, construction. Tire. Métallurgie, jardinage, mécanique auto. Ok, on verra ça. Merci pour ton follow carnage. On verra ça dans le prochain épisode. Au niveau de la base. Donc c'est le fait de leur construire un stand d'entraînement ou pas. On verra ça dans le prochain épisode. Donc je rebascule ça sur YouTube. Hein. Vous avez la playlist dessus. Vous avez le lien en bas. Vous pourrez retrouver tous les jeux que je fais. En live ou pas. Et on va rester là sur cet épisode là. Donc ben, on a changé de base, on a pris une base plus grande, mais on vient de recruter Zelle qui n'a aucun métier. On sera pas sûr de la garder. On va voir comment ça se comporte. Et au niveau d'Applejack, elle a donc quelque chose à nous faire faire. Donc je ne sais pas si c'est elle. Ouais, c'est elle. Et on va prendre ben, on va prendre ben, avec nous. On sera prêt pour la prochaine fois. Je ne sais pas où est la nouvelle. Donc déjà, qu'est-ce qu'elle a, elle, dans son truc que dalle. Donc, pour le prochain épisode, hop. On va se prendre ben, des médocs. Antalgique léger, non. Restauration de santé, on va prendre cela. On va économiser d'autres. On va se prendre de la bouffe. Niveau munitions, elle a que dalle. J'ai 67. Hop. Voilà. Ensuite, donc ça c'est bon. La chaîne YouTube, tu as le lien juste en dessous dans les onglets de la chaîne. C'est Shirelle aussi. Tu tapes Shirelle. C'est S-H-Y-R-E-2-L-E. Tu as le lien juste en dessous. Et voilà. Puis c'est gratuit. Voilà. Donc nous, on veut la nouvelle. Pour qu'elle nous accompagne. Hein, de façon à qu'elle fasse ses preuves quand même, la demoiselle. Voilà. Tu vas venir avec nous, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as dans ton inventaire? Pas grand-chose. Donc on va l'enrôler. Voilà, et il faudra dans le prochain épisode qu'on, mais qu'on aille faire la mission du garage, ici. Donc, on a une infestation à éliminer. On a quand même des cœurs de peste à faire. On a pas mal de choses à faire. Mais bon, déjà, le ramener à lui, parce que ça fait un moment qu'on se le traîne, le boulet. Donc, voilà. Donc, prochain épisode... Ben, le ramener et puis trouver des ressources, etc. etc. Là, on a un véhicule, c'est une voiture de patrouille, on s'en fout. Trouver des véhicules pour stocker la nourriture en trop pour éviter de la perdre. Et ben, là, on est. On a quand même pas mal de choses à fouiller ici. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et puis, plein de bibi, plein de zouzou. Et à très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Tout ça sur la chaîne YouTube, vous pourrez le retrouver. Bye, bye.